Nous sommes le vendredi 16 octobre de l'année 2020. Il est 15h55 et mon lumbago va beaucoup mieux. Je passe un coucou à tous les artistes, à tous les trialistes, à commencer par Daniel Olivier, président de l'AMC Grasse, capitale du parfum, qui m'a permis en 2009 de suivre les pilotes à moto à Isola 2000. C'est là que j'ai pu faire cette interview d'Eddie Lejeune, accompagné de son frère Jean-Marie, avec lequel j'ai partagé à l'Audiberg, chez Adrien Prato, l'école de trial Happy. Don't worry, be happy, dans les années, j'avais 2009-2010, j'ai partagé avec Jean-Marie, le jeune, c'était des vies superposées, et puis moi je dormais à droite, et dans une autre chambre, il y avait Riton Gardière, qui avait une école de trial, qui est un ancien fonctionnaire, je sais pas ce qu'il faisait, de Lyon. Je ne sais pas ce qu'il devient, Henri, j'espère que parce qu'il avait des sacrés problèmes de respiration déjà à l'époque, il toussait beaucoup. À cause de la poussière. Voilà. Alors, juste pour dire que, vous l'avez constaté, je suis addict au tabac. Et je me suis inscrit récemment au centre d'addictologie de Célestat pour essayer d'arrêter de fumer. J'en profite pour faire un coucou à Philippe Pascoe, qui a écrit, c'est la tablette, qui a écrit les livres que vous connaissez, des lits d'élus, du goudron et des plumes, allez tout chauffer, trois petits points, qui donc explique dans son livre que il y a des députés qui ont déposé le même jour 47 amendement écrit par les lobbyistes du tabac, donc ceux qui m'ont drogué, et parce que le tabac est une drogue, puisque quand on est addict, quand l'addiction se résume, quand vous êtes en état de manque, il vous manque quelque chose, vous devenez nerveux. Et moi, en l'occurrence, j'ai plus de tabac, ça m'est arrivé de gratter les fonds de tiroir ici pour trouver un peu de tabac pour pouvoir avoir ma nicotine. Donc c'est. Et donc, les lobbyistes du tabac corrompent les hommes politiques qui votent des lois, qui font voter des lois dans ce sens. Ça avait d'ailleurs fait, que Jean-Michel Raibel, qui a gagné proche d'Orf, mon premier trial. J'avais 17 ans, je travaillais à la General Motors, actuellement Push, qui ont dû accepter la réduction. Ils ont dû accepter d'être payés 35 heures pour travailler 35 heures. Sinon, ils dégageaient. Et alors, Jean-Michel Raibel, quand tu m'avais montré des paquets de tabac en Allemagne, ceux-ci sont encore colorisés, sont encore en couleur, alors qu'en France, ils sont comme ça maintenant, aujourd'hui. Voilà. Et Jean-Michel Raibel avait dit, c'est des collecteurs. Excellent, Jean-Michel Raibel. J'adore. Et voilà. Et donc, j'avais fait 8e ou 9e en critérium à cette époque-là. Donc, Eddie Adam, coucou. Eddie Adam, qui était champion d'Alsace. Que des beaux souvenirs. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était verglacé. Les sections étaient faciles. Moins beaucoup d'accélérateurs. Ça dérapait. Ça partait dans la choucroute. Enfin, pédaler dans la choucroute. Hein. Yves. Choucroute de l'Est, voilà,
Que dire de plus, sinon que là je vais retourner au PEJ à Strasbourg pour rendre des bouquins que j'ai pas eu le temps de lire. J'avais Florentin Maigret au téléphone. Florentin qui est très gentil, ami de mon fils Lucas. Lucas, le petit que vous voyez, qui avait une tellement jolie frimousse quand il était petit, et qui aujourd'hui est sous Abilify. Abilify, un truc qu'à l'époque je n'ai plus qu'à arrêter. Et comme j'ai raconté à Vincent Fonta, qui a hoché la tête au moment, donc j'y suis allé sous témoin, hein, puisque Olivier Gosselin m'avait dit, même si Vincent Fonta le présentait comme en disant que c'était un ami, puisque quand tu as présenté le certificat établi le 3 juillet 2015, me donnant une évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100 très exactement, il m'avait dit, allez-y avec témoin. J'y suis donc allé avec un témoin qui est un ancien assureur AFPA, parce que je pense aussi aller retrouver des profs à l'AFPA de Strasbourg. En l'occurrence, quelqu'un qui y travaille encore, qui s'appelle Daniel, je vais pas donner le nom de famille. Donc il y avait Daniel, Alain, et puis Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vais le nommer. Il s'appelait Jean-Pierre Druy. Je lui avais offert à la fin de ma formation le bouquin des bases de données MySQL, donc qui sont plus compliquées que. Non, pas MySQL, SQL. Parce que MySQL, c'est assez. C'est un truc relativement simple.